Bonjour les amis, c'est Franck pour Créolinium.fr. Dans cette vidéo, vous allez voir comment on réalise un ukulélé. Petit instrument que l'on dit hawaïen, mais qui en réalité a été vu pour la première fois à Madère. Donc bref, on va pas revenir sur l'histoire du ukulélé, on s'en fout un petit peu. Ça va porter sur la réalisation de ce petit objet bien sympathique, très difficile au demeurant à réaliser. C'est joli, c'est beau, mais c'est chiant à faire. Alors pour réaliser ce ukulélé, j'ai donc acheté du bois, forcément, sur un site espagnol que m'a conseillé Anthony de l'Instant des Copeaux. Donc alors, le fond de ukulélé est du bocote ou palissandre mexicain. Alors je vous garantis qu'il est magnifique. Ensuite, les éclisses, même chose, du bocote, encore une fois du palissandre mexicain, enfin origine Mexique du moins. Hein. Ensuite, la table d'harmonie du frêne ondé. Alors bon, il y a deux morceaux, hein. Je sais pas si vous pouvez voir les ondes, mais il est magnifique. Ensuite, la touche en ébène, elle vient directement du bassin du Congo. C'est lourd, c'est assez conséquent. Le manche est en érable sycomore, ondé. C'est une tuerie, il est magnifique aussi. Je vais vous le chercher. Le manche est en érable sycomore ondé. C'est de toute beauté. Je crois que c'est la première fois que je travaille un bois comme ça, que je vais travailler un bois comme ça. Je pense que je vais bien me régaler. Enfin, j'espère. Et surtout, ne pas me louper. Parce que ça, c'est un truc qui me fait relativement peur. Donc là, dans ce morceau-là, j'ai de quoi faire deux ou trois manches de ukulélé. C'est cool. Si je me foire, bah, j'ai du rab. Sinon, voilà pour les bois, les principaux bois. Donc à l'intérieur, il y a de l'épicéa pour les barrages. Les contre-éclisses vont être réalisées pareil en épicéa, enfin je pense. Et pour le reste, ce sera de la rigolade quoi. Alors pour. Je me suis un petit peu renseigné sur internet, trouver des plans et compagnie. C'est pas facile. J'en ai trouvé qu'un en français sur le site grelier.fr. Donc c'est un luthier qui propose ses plans gratuitement sous licence Creative Commons. C'est bien. Il y a les grosses parties très intéressantes, mais le problème c'est qu'il n'y a pas toutes les cotes. Donc en fait vous prenez un plan, deux plans, bon deux autres qui sont dans mon bureau et vous mélangez le tout dans la machine à laver et ça vous sort un plan. Avec des proportions plus ou moins exactes. Donc là je me lance dans un truc, j'ai un peu peur. Alors le petit gabarit que vous voyez là à l'instant là, c'est un gabarit pour fabriquer, pour usiner des contre-éclisses. Qu'est-ce que c'est qu'une contre-éclisse? Alors la contre-éclisse, ça va venir se fixer sur les éclisses, le truc courbé que je vous ai montré tout à l'heure. Ça va permettre au fond et à la table d'harmonie de venir se coller plus facilement. Donc comme vous pouvez le voir, ça devient souple, forcément. Hein. Ça adopte à peu près les formes qu'on veut. Le rayon de courbure est pas mal. Donc c'est ce qui va venir soulager mon fond et ma table d'harmonie. Alors voilà les éclisses, à quoi ça va servir exactement? Et ben regardez. Bon là forcément, je vais être obligé de les couper. Mon rayon courbure il est trop important, enfin quoique je sais pas. Ah voilà ça a pété, vous voyez. Bon bref, vous avez compris le truc, ça va venir à fixer, servir à fixer le fond sur les éclisses.
J'ai essayé de cintrer les éclisses à la vapeur, donc résultat échec. Donc je change de fusil d'épaule. Je vais essayer avec la chaleur, avec un décapeur thermique, un tube en alu. Alors je sais que l'alu c'est pas terrible pour conduire la chaleur, mais là en l'occurrence ça devrait le faire. Donc je vais attendre que ça chauffe. On sait que c'est chaud quand, quand on verse de l'eau dessus, les gouttes d'eau ça fait pchit et que l'eau tombe direct. Voilà, ça déperle. Je vais essayer de cintrer. Alors j'espère ne pas péter mes éclisses, parce que ça me foutrait vraiment la rage. Mais bon, ça va être le jeu, hein. Ce sera à mes risques et périls, voilà comme on dit. Donc à tout de suite. Regardez bien. Voilà, vous voyez, l'eau n'accroche pas, elle tombe directement. Donc ça veut dire que le tube est chaud. Donc je vais essayer de cintrer comme ça. Donc voilà, c'est cintré au ferra, au décapeur thermique. Donc voilà, bon bah il y a un peu de jour, mais c'est pas grave, ma forme elle est peut-être bien arrondie. Donc, et ben c'est parti pour un petit séchage, hein, pour que ça maintienne bien la forme. Alors je suis assez content de moi sur ce coup-là, je pensais que j'allais foirer le bordel, enfin j'allais foirer le cintrage. C'est une très très bonne technique, et je suis assez content que... on me l'est conseillé, voilà. Donc merci à la personne qui me l'a conseillé et elle se reconnaîtra. Et voilà, une éclisse. Et voilà, cette première partie de vidéo s'achève. Il y en aura d'autres forcément, vous avez vu que la première partie, la réalisation des éclisses et des contre-éclisses. À bientôt les amis.